Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on part pour un petit tour chez BM à côté de Poitiers. J'espère que ça vous plaira, on va avoir les bons plans. Ils ont aussi font des big deals, c'est-à-dire des prix moins chers que d'habitude sur certains produits aussi. Des bons plans pendant un mois, si je me souviens bien ce qu'ils m'avaient dit. J'avais discuté avec eux et pendant un mois, il y a les bons plans. Par exemple, là, ils me disaient. Donc on va voir, il me disait que là c'était plus pour tout ce qui est le ramadan, ils essayent de faire en fonction des fêtes qui va arriver, là il me disait en tout cas que c'était plus pour le ramadan, donc on va voir ça ensemble. Il n'y aura pas de vidéo pour short ou autre, ou si j'y arrive je le ferai, ou si j'ai le temps, sinon il n'y aura rien du tout, donc. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et j'ai une sale gueule, oui, j'ai une sale tête aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et on se retrouve tout de suite dans le magasin. Donc voilà, on va passer dans le magasin. Il y a eu quelques soucis avec la vidéo. Donc on va chez BM. C'est la première fois que je crois, j'ai déjà posté des hauls de chez BM. J'ai mis déjà les affaires que j'avais achetées là-bas dans la salle de bain et autres. Franchement, ça rend super bien. J'ai hâte de vous faire un home tour un jour. Et là, en fait, chaque mois, ils m'ont expliqué. J'ai discuté avec les gérants, en fait, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais. Donc, je leur ai expliqué ce que je faisais. Et ils m'ont dit, pas de problème, vous pouvez faire. Donc, vraiment, merci à eux. Vous êtes des amours de m'avoir autorisé à filmer chez vous un peu tout. Donc là, ça va bientôt être le ramadan, environ le 9 mars, si je ne me trompe pas. Et 9 ou 10 mars. Et donc, en fait, ils font pas mal de choses pour le ramadan. Il y a des choses un peu marocaines, mais aussi turques, algériennes, etc., etc. Après, je ne viendrai pas sur ce point-là. Je vous laisse à chacun choisir si c'est plus marocain ou autre. C'est à vous de voir. Je ne veux pas partir dans un débat comme ça. C'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dans le magasin. Ok? On peut être d'accord. Donc, on a mis ça au clair, qu'on n'ait pas de problème ensemble. Donc voilà, nous partons dans le magasin. Nous y sommes depuis presque 2 minutes et j'arrête pas de parler depuis 2 minutes. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des bonbons halal, il y a des plein de la barbe à papa. Ça avait l'air bon la barbe à papa. Des Mars, il y a des. C'est quoi déjà les petites boules? Je sais plus. Des M&M's, il y avait aussi chez Action des M&M's il n'y a pas longtemps en promotion, je crois que c'est la fin, là c'est mercredi prochain. Là c'est de la pâte à pancakes, mais je vous ai trouvé des petites choses chez Sauce Trencrène que j'ai hâte de vous faire en cuisine. Je vais me remettre à vous faire de la cuisine si ça vous tente, dites-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Là vous avez pas mal de boissons, j'en ai pas pris parce que je ne les connais pas. Moi j'aime celles qui viennent du Maroc. Genre, excusez-moi pour le truc Hawaï ou Poms, c'est trop bon, car sur ces boissons-là. Et toi, tu es plus Hawaï ou Poms? Dites-moi dans les commentaires ou une autre team, je vous ferai un petit truc, vous allez voir. Dites-moi la team que vous êtes comme boisson sucrée. Sinon, après, il y avait pas mal de choses pour le sport. J'ai pris des poids, j'ai pris des élastiques aussi. Faut vraiment que je me remette à refaire du sport. J'avais acheté la dernière fois des protéines déjà. C'est genre dans un shaker, vous le faites avec soit du lait. Après, le lait, c'est plus conseillé. Après, je suis vraiment pas non plus dans tout ce qui est fitness, etc. Mais si vous voulez voir, il y a Juju Fit Cat ou Thibaut InShape, ou voilà, des gros qui, eux, font vraiment de la du fitness, pardon, et qui pourront vous conseiller un peu plus. Donc, c'est pour ça. Moi, je sais que j'ai pris des trucs de check. Là, j'ai fait un bug. Vous avez fait dans l'ancien hall de chez. Chez BM aussi, vous allez avoir un haul ici avec plein de petites trouvailles que j'ai trouvées. Plein de trouvailles que j'ai trouvées. Bien, Axel, tu parles bien la France. Des petits carnets astro. Donc, oui, pour le fitness, voyez sur une autre chaîne, ce ne sera pas ici. Mais je pense que je vais reprendre la salle de sport. Ça me fera le plus grand bien. Avec ce qui m'arrive actuellement, je n'en parlerai pas ici. Je n'en parlerai quand tout sera terminé pour vous prévenir. Et je vais vous faire une vidéo un peu de prévention sur certaines choses. Donc vous verrez un peu plus tard. On verra ensemble de toute façon. Bon, repassons la vidéo. J'arrête pas de parler. C'est comme d'habitude. Je suis sûre que je pourrais tenir 26 minutes à vous parler de ma vie et à raconter tout ce qu'il y a dans le magasin. Parce que je suis vraiment très très fan. Je suis désolée pour le chat qui va miauler sans doute. Elle veut un câlin. Donc là, vous avez tout ce qui est nettoyage. J'ai pris ça, c'est pour les odeurs. J'ai prévu aussi de vous faire des petites choses avec des tendances du moment. Vous allez voir juste après, là c'est surtout de la lessive. Excusez-moi pour le chat, j'espère que...
Je voulais faire des câlins comme ça pendant. Oui, c'était les smiles et je vois qu'en fait, j'ai pas mis assez dans la vidéo. Là, c'est pour Vieleda. C'est une marque pour tout ce qui est nettoyage de la maison. Excusez-moi. Là, vous aviez un mini aspirateur. J'ai hésité à le prendre, mais c'était juste pour pour la voiture. Je sais pas où j'en étais arrêtée parce qu'il y a eu un problème. Il y avait des tagines en promotion aussi. Vous avez aussi des big deals chez comment ça s'appelle chez BM qui sont pas mal. Oui, donc vous avez vu, le problème c'est que l'écran était tourné. Là, il y avait pas mal de choses sur le jardinage. J'ai pas pris, je crois pas que j'ai pris quelque chose. Moi, j'achète surtout chez Emma, j'aime bien leurs produits. Ainsi que j'achète chez Action pour tout ce qui est graines, engrais. Emma, ils en font aussi des biens pour l'engrais. Donc, je vous le conseille si vous savez pas où acheter. Des petites plantations ou autres. En plus, Emma, ils vendent le petit pot en terre cuite, si je me souviens bien, avec le cop. La... Comment ça s'appelle? C'est un truc de coco, vous savez, qui gonfle. Je sais plus le nom exact. Après, ils ont des jardinières super sympas chez Emma. C'est plus des jardinières bleues, en fait, comme l'année dernière, bleue et verte. Et celles-là, elles étaient vraiment très très jolies. Même les petites choses comme ça pour mettre dans le jardin, je trouvais très mignon. C'est ça que j'ai oublié d'acheter en voyant la vidéo. C'est de la terre, du terreau que j'ai oublié d'acheter pour, comment dire, pour mettre dans mes plantes. Parce que mon chat, mais elle est pas possible. Elle est en train de me faire des trucs pendant que je vous parle. Si vous la voyez vraiment, c'est trop drôle. Donc là, après, on arrive à tout ce qui est plus décoration. Moi, franchement, leur déco, j'aimerais acheter tout. Je la préfère, j'aime bien Action, vous voyez, j'aime beaucoup Action. De toute façon, je vous fais beaucoup de vidéos déjà sur Action, des hauls ou des choses comme ça. Mais chez BM, leur décoration, franchement, coucou à moi. Franchement, elles vaut vraiment le coup. Il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les envies, il y a les tendances du moment. Comme ces petites. Je sais plus comment s'appelle le nom, il y a ça dans les dunes en Bretagne, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Oh, j'arriverai plus à trouver le nom. Donc des fleurs séchées avec des petits pots, vous voyez, pour 2 euros, quelque chose. Il y a même des toutes petites plantes toutes seules séchées aussi, assez sympa. J'ai pris une petite décoration pour mettre en bas, va falloir que je la mette bientôt. Après, vous savez tout ce qui est des singes et tout, je suis pas très très fan. Excusez-moi, j'ai un souvenir avec des singes, c'est pour ça que j'ai envie de rigoler. Donc voilà, après des faux pots de fleurs, des... Des petites boîtes, il y a même en fait, vous avez des par thème, et par thème, vous avez aussi les chambres d'enfants, c'est trop mignon, certaines choses. J'aime beaucoup trop, moi j'ai juste envie d'avoir un enfant pour lui décorer sa chambre des fois quand je viens ici, c'est vraiment trop joli. Ma tête, franchement, ça fait peur. Donc là, c'était plus dans les tons rosés, c'est ce que j'aime. Quand je vous ai dit, ils font vraiment par thème, et regarde, t'as vu ma tête, t'as peur, hein. Je plaisante. Après là, c'est plus tout ce qui est, ça fait très luxe, très luxueux, genre les dames, les valets, les chevaux aussi, des échecs. C'était très joli. On aurait dit des gourdes là, ce qu'il y avait en bas. Là, c'est plus des plats. Vous savez quand vous avez avec marqué menu machin sur dans les bars ou autres, bah, c'était ça, ce qu'il y avait juste un peu avant. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, je suis désolée pour ce petit moment de tournement. C'est juste que j'ai dû, il y a dû avoir du monde qui est passé à côté. Et donc c'est pour ça, en général, j'essaie de faire maximum pour ne pas filmer les gens. Parce que je n'aime pas ça qu'on filme les autres. Même moi, je n'aime pas qu'on me filme moi. Je préfère filmer vraiment en gros. Donc c'est pour ça que je fais attention à chaque fois pour filmer. Et là, vous avez la porte de secours. Si vous en avez marre de m'entendre, bah, vous pouvez la prendre. Des petits paniers. Elle est d'accord, le chat aussi. Des petits paniers assez sympas pour. Ah oui, c'est vrai. Il y a la marque Atmosfera. Je vous conseille cette marque. Moi, je suis très fan. Je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses sympas. Atmosfera. Et en fait, dans par exemple BM et par exemple et je crois qu'il y a aussi la Farfouille. Ils ont racheté certains trucs de Atmosfera. Donc, vous pouvez en trouver dans ces magasins-là, dans cette collection. Et moi, j'aime beaucoup, la qualité est vraiment bonne. Il y a des choses que j'ai fait tomber par terre, ça cassait pas et c'est resté bien. Là, je trouve ça trop mignon pour les parents qui viennent d'avoir un nouveau-né pour garder des petits souvenirs de vos enfants, genre les petits chaussons, les petits trucs. C'est trop mignon. Désolée, je passais du Coca-Cola, mais ça, j'avais trouvé trop bien
comme idée pour les enfants qui viennent de naître, vos petites, garder des petits souvenirs de vos enfants. Ah oui, Winos, t'en penses quoi? J'aurais dû garder des poils de toi quand t'étais petite aussi. Des poils tout blancs. Non, t'as changé de couleur, mais bon. Là, il devait y avoir quelqu'un qui est passé à côté. Là, c'est à 50 euros. Vous avez une grande armoire pour le rangement. Donc ouais, c'est ça. À chaque fois que je vous coupe, c'est qu'en fait, il y a eu des personnes dans le rayon. J'essaie vraiment de faire mon maximum. Là, il y avait une personne. Je suis désolée, on la voit juste de dos. Et là, tout ce qui est... Il y a tout ce qui est électronique. J'ai trop hâte de vous faire un test. J'ai acheté des petites choses à droite, à gauche. Et j'ai hâte de vous tester tout ça. Là, c'est les gaufriers, en fait, que j'ai envie de vous tester. J'en ai pris un cœur. C'est le même marque que celle de chez Action. Donc, on va faire un test ensemble. Vous avez même une fontaine à chocolat. Et après, vous avez des gaufriers tout simples. Donc, on va en tester trois. Et j'ai trop trop hâte de faire cette vidéo. Depuis un moment, on va faire que je fasse la pâte en avance. Pourquoi pas la faire en avance et vous la montrer comme ça en faisant. Et après, voilà. Il y a des crash tests qui vont avoir lieu comme celui-ci. J'ai trop envie de voir si ça fonctionne ou pas. Le défroissage des vêtements, j'aime pas faire le repassage. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer faire le repassage. Après, je dis pas qu'il y en a qui n'aiment pas, hein. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Et c'est vrai qu'actuellement, les vêtements se froissent beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un petit défroisseur. Je ne sais pas du tout comment il est à l'intérieur. Donc, on fera ensemble. Donc, j'ai hâte de vous faire toutes ces vidéos-là. J'ai tout en tête. Il n'y a plus qu'à écrire. J'ai hésité à prendre ça. Je trouvais trop mignon un diffuseur. Si je me trompe pas, c'est un diffuseur d'encens et en fait ça fait effet flamme. C'est pour ça là, j'ai vraiment hésité à le prendre. Peut-être une prochaine fois, comme il dit, Inch'Allah. on verra si je souhaite ou pas le prendre. Après, vous avez des. Comment ça s'appelle? Plein de choses pour faire vos vidéos. J'ai trouvé un chez Action. Je vais vous faire un crash test pour voir s'il est bien ou pas. Là, c'était les semaines du Big Deal, je crois, avec les épices. Là, on part dans un autre thème de décoration plus verte, plus nature. Et un peu, là, c'est pour mettre salon de jardin dehors. Vraiment très, très beau. Et je vous signale que là, on est à presque 13 minutes et je pars toujours. Et il nous reste 13 minutes, je crois que je vais pas... En fait, j'adore commenter tout. Attention, nous allons commenter un match de sport qui va gagner entre les rayons à droite ou les rayons à gauche. Attention, attention. bah, c'est le rayon de, je dirais, droite avec les miroirs qui a gagné. J'adore leurs miroirs un peu effets avec, comment, avec des petits diamants, des petites perles, des petites choses comme ça. Je trouve ça vraiment très très beau. Franchement, je crois que j'ai hâte un jour d'avoir une maison. Je crois que là, je la redécore de fond en comble et je fais plein de choses que j'aime dedans. J'ai beaucoup de décorations en tête, mais genre chaque pièce aura sa propre décoration. J'aimerais trop, et évidemment, si j'ai une maison ou un appartement plus tard, vous aurez le droit à un petit home tour, ainsi que de faire en sorte que je puisse faire en sorte l'installation de la maison, comment c'est mis, ou juste un home tour, c'est à voir après. J'ai trop plein d'idées déjà, alors que j'ai même pas de maison à moi. Donc voilà, après il y avait moi ce que j'adore chez, comme je vous ai dit, chez BM, leur décoration, j'aime beaucoup. Ils font pas mal de choses aussi pour les animaux, il y a aussi pour la cuisine, par exemple les tasses. Pour la salle de bain, vous avez pas mal d'accessoires, j'en ai acheté un où en fait derrière c'est assez tendance, je sais plus comment s'appelle le nom, où en fait j'ai dévissé moi les crochets qu'il y avait derrière pour mettre juste du double face que j'ai ensuite collé sur le carrelage, comme ça je suis sûre que ça va se décoller plus facilement que si je l'avais mis en fait avec des. En général, moi je mets que des pointes. J'ai pris celui-ci, je le trouvais trop mignon, faut que je le mette sur ma table basse en bas. Donc oui, voilà ce que je vous disais. Qu'après, moi j'essaie de faire en fonction pour avoir du rangement en plus. Et là, vous verrez dans le home tour. De toute façon, si je fais un home tour, je vous décrirai d'où ça vient, etc. Vous aurez toutes les infos, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tous les changements que j'ai pu faire dans l'appartement. Il y a pas mal de choses aussi que j'ai à vous montrer. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Je vais essayer de vous mettre de la musique jusqu'à la fin. J'espère que ce sera pas trop pour vous embêter.
Pas trop, quoi, en fait. Il nous reste à peu près, ouais, 10 minutes, 10-15 minutes où il n'y aura que de la musique. Après, dites-moi si vous préférez que j'arrête pas de parler ou autre. Après, là, je vais juste vous décrire pourquoi j'ai fait comme ça. En fait, j'avais pas envie d'aller encore vous montrer de la décoration et tout. Donc, je vous ai montré rayon par rayon. Après, je vous ai montré pas mal de choses sur les meubles. Ils sont très bien, leurs meubles. Il y a juste un meuble que j'ai acheté là-bas où il manquait une vis. Heureusement que j'ai toujours des vis de rechange ou des pointes. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour que le meuble il puisse tenir, en fait. Donc, voilà, à part ça, il n'y a pas de problème. Et là, je vous ai vraiment montré maintenant ce que je vais faire pour tout ce qui est magasin ou autre. C'est que je vais faire en fonction de moi, de mes goûts. Par exemple, j'adore tout ce qui est décoration. Comment ça s'appelle? Aménagement, maison, etc. Je vous le montrerai. Tout ce qui est meubles, etc. Je vous montrerai un peu de décoration. Voilà, on fera au fur et à mesure. J'ai hâte de plein de choses en fait pour cette chaîne. J'espère qu'elle va grandir avec moi. Déjà qu'elle grandit bien avec moi. Ça fait depuis 2018 qu'on en est là. Et j'ai hâte que ça évolue encore plus, que ce soit avec vous ou avec moi-même. Voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Merci pour vos commentaires, j'en ai de plus en plus. C'est vraiment adorable, vous êtes des crèmes, franchement. J'ai enlevé des commentaires injurieux, tout ça, j'ai enlevé. Ça ne me concerne pas, c'est des trucs, vraiment, c'est parti trop loin quand je vous dis. Donc c'est pour ça. Il y a des choses qui sont en cours pour la chaîne. Donc vous inquiétez pas, j'ai hâte de vous les montrer au fur et à mesure. On va prendre notre temps. Moi, déjà, je vais prendre mon temps pour vous faire plus de bonne qualité. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'aimerais parler des heures et des heures avec vous, même si on se voit pas. On dirait des podcasts que je suis en train de faire, des podcasts version magasin. J'adore moi faire les magasins quand je me sens pas bien. C'est limite le truc de réconfortant, mais le moins bien c'est que je dépense de l'argent pour me ressentir un peu mieux. Donc on va essayer d'en parler de ce sujet-là parce que ça me tient à cœur. Déjà pour moi, parce que ça me rend malade de voir tout ce que je peux acheter parce que je me sens pas bien et par une pulsion, etc. Donc, va falloir que je travaille sur ça, sur Insta, sur YouTube, à trouver des vidéos sur mes cours en psycho, sur des livres que je peux avoir. Vous trouvez ça, vous donnez des bons termes, vous guidez, vous aidez vous aussi. Il n'y a pas que à moi que ça sert, mais voilà. Des petites choses comme ça qui seront à voir avec le temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aimer, partager, commenter. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, même si vous êtes juste derrière un écran et moi derrière mon écran à vous proposer des vidéos. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et du soutien. Cœur sur vous, comme je dirais. Merci pour tout. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et on se retrouve évidemment avec mon chat à côté de moi. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut, et merci pour tout. Prenez soin de vous aussi, c'est le plus important.